Il gemellaggio con Sinaia è il più antico tra i gemellaggi in corso da parte del Comune di Aosta. Compie quest'anno 46 anni. Perché Sinaia? Perché Romania? Inizialmente, storicamente, possiamo tranquillamente ammettere che c'era un filino ideologico che legava due realtà, insomma, tra l'amministrazione allora a conduzione del Partito Comunista della nostra città con un paese insomma, dell'Est Europa. E quindi all'inizio il gemellaggio si è sviluppato, ricordo che è data 1968, anche se non riusciamo più a trovare il documento originale, ma abbiamo trovato una traccia in cui c'è l'invito alla firma per la cerimonia del gemellaggio, e quindi stiamo parlando della fine degli anni 60. Nel frattempo le cose si sono evolute, la Romania è entrata a pieno titolo nell'Europa Unita, abbiamo la stessa moneta, condividiamo tante cose, e quindi piano piano questo sentimento di fratellanza è andato consolidandosi e abbiamo attraversato tutta una serie di stagioni che hanno coinvolto naturalmente, pensate voi quante amministrazioni nel comune di Aosta sono cambiate nel corso di 46 anni. On a la plus ancienne collaboration avec la ville d'Aosta depuis plus de 46 ans. Les premières discussions ont commencé en 1963 et elles ont été finalisées en 1968 avec la signature du traité de collaboration. Semnarea documentelor de înfrățire în 1968 cu... À ce moment-là, en 1968, à la signature du traité de collaboration entre Sinaia et Aosta, c'était un événement très inédit, surtout pour Sinaia, qui venait d'un pays communiste qui signait un traité de collaboration avec une ville d'un pays capitaliste. Probablement la signature du traité de collaboration a été faite aussi dans l'esprit de l'État roumain qui voulait montrer son ouverture vers l'Ouest. Au début, les relations ont été très bonnes à cause de la politique d'État de la Roumanie. Les relations ont été gelées et elles ont été terminées jusqu'au début de la révolution en 1989. Évidemment, après la révolution, les relations de collaboration entre Sinaia et Aosta ont été reprises. Et la Roumanie était déjà un État indépendant, libre, et voulait aussi avoir des relations avec l'extérieur. Et les relations entre Sinaia et Aosta ont été reprises grâce aussi aux relations qui étaient déjà consolidées au cours des années. Probabil că foarte multă lume se întreabă de ce avem relații de prietenie și de... Probabil beaucoup de monde se demande pourquoi Sinaia a des relations de collaboration avec la ville d'Aosta, parce que les deux se trouvent dans un climat de montagne, dans une zone de montagne, et les deux sont très importantes, comme Aosta, la ville d'Aosta est très importante pour le nord de l'Italie, c'est comme ça que Sinaia est très importante pour la Roumanie. Et le temps a démontré qu'on a beaucoup de choses en commun, comme on disait, à partir de la zone géographique de montagne jusqu'aux sports d'hiver qu'on pratique ici et dans la zone d'Aosta. Thank you.
À Sinaia, il existe un très important musée, pas seulement pour la Roumanie, mais aussi en Europe. Et le château de Peleș a eu des échanges d'expériences avec des musées de la ville d'Aosta en ce qui concerne l'accueil des visiteurs et aussi la maintenance d'un château, d'un monument historique. Le château de Peleș a été la résidence d'été de la première famille royale roumaine, le roi Charles Ier de Hohenzollern-Sigmaringen et son épouse la reine Elisabeth de Wied. Charles Ier a été un prince allemand installé sur le trône du pays en 1866. Il a régné jusqu'à 1914, l'année de sa mort à l'âge de 75. Son château est bâti entre 1873 et 1914. Les travaux sont achevés quelques mois avant sa mort, mais la famille royale commence à dépasser les vacances à Sinaia, à Peleș, à partir de 1883, l'année de l'inauguration dans une première forme. Il passait à Peleș 5 mois par an, de mai jusqu'à la fin de septembre, ayant comme résidence officielle le palais royal à Bucarest, actuellement le musée national d'art. En 1883, le bâtiment était doté avec toutes les commodités imposées par le confort. Chauffage central, électricité, sur l'eau du parc il y avait une centrale hydroélectrique, téléphone, l'eau courante. Et après 1900, ont été installés 2 ascenseurs électriques et un système d'aspiration centralisé de la poussière. C'est un château qui a 160 pièces en tout, avec 30 salles de bain, et décoré en néo-style, notamment un style de la néo-renaissance allemande. Donc ça c'est la salle florentine, c'est la première salle de réception du château, une pièce décorée en style de la néo-renaissance italienne, qui a la plupart de la décoration en bois de tilleul sculpté et doré, les lustres et la glace étant les produits des ateliers Murano de Venise. La cheminée monumentale en marbre italien de Paonazzo est décorée dans la partie supérieure des réductions en bronze selon Michel-Ange, le tombeau de Médicis de Florence, et flanquée par les 2 cabinets en ébène décorée des pierres semi-précieuses et marbre polychrome. C'est la technique italienne dite la pietra dura. La même technique utilisée ici pour faire les plateaux des tables. La pièce la plus ancienne étant entre les 30, c'est un original qui date du XVIIe siècle. On entre dans le salon d'honneur, qui est la principale salle d'accueil du château. La pièce a été aménagée par l'architecte principal, le tchèque Karel Liman, sur l'endroit de la première cour intérieure. La cour a été couverte d'un plafond conçu en verre qui s'ouvre électriquement dès le début. Les vitraux sur le plafond sont l'œuvre des ateliers Zettler de Munich, les ateliers qui ont travaillé la plupart des vitraux à Peleș. On a ici la plus grande collection de Roumanie, sont 800 vitraux. Les boiseries en noyer ont été commandées à Vienne dans les ateliers Bernard Ludwig. 200 artisans travaillent pendant 6 mois pour représenter presque 3000 figures allégoriques dans les lambris. Dans le registre médian étant des bas-reliefs en albâtre avec des sujets bibliques et historiques, et au-dessus, une frise des panneaux en marqueterie illustrant les châteaux médiévaux de la famille de Hohenzollern, les châteaux d'Allemagne et de la Suisse. La principale caractéristique du château de Peleș est la boiserie qui a été commandée par le roi Charles Ier en Autriche et en Allemagne. Le principal décorateur a été le Viennois Bernard Ludwig et on peut voir son buste à la base du colimaçon en style néo-baroque allemand au niveau du premier étage. Et au-dessus, sur la première spirale, c'est le visage de l'architecte principal, le tchèque Karel Liman.
Le château de Pelech a été la propriété privée jusqu'à 1948, l'année quand le dernier roi de Roumanie, le roi Michel, a quitté le pays. Il a été ouvert officiellement comme musée en 1953 jusqu'à 1975, l'année quand il a été fermé pour presque 15 ans pour faire des travaux de restauration. La famille royale roumaine a reçu le château. Ils sont les propriétaires du bâtiment parce que le patrimoine appartient à l'État roumain. Le château de Pelech est un des musées le plus visités de Roumanie, qui a plus de 300 000 visiteurs par an. La famille royale roumaine utilise maintenant le château que pour les cérémonies officielles ou pour des visites officielles. Questi 46 anni fanno sì che progressivamente abbiamo sviluppato i progetti comuni e da progetti iniziali che erano sostanzialmente di solidarietà vera e propria nei confronti della città di Sinaia si sono instaurati, come sempre avviene nel tempo, sentimenti di amicizia, di partecipazione, abbiamo incominciato a scambiarci studenti che hanno fatto degli stage al comune di Aosta provenienti dalla città di Sinaia. Abbiamo continuato a collaborare in un rapporto istituzionale molto stretto, abbiamo anche scoperto nel tempo di avere molte cose in comune. Sinaia è una città all'incirca situata a 700-800 metri sul livello del mare, Aosta è 635 metri sul livello del mare, entrambi hanno un signor domaine skiable. Abbiamo degli appuntamenti anche per quanto riguarda il prossimo futuro. Naturalmente la crisi economica che ha colpito il nostro paese e anche la Romania, direi tutta l'Europa, ha fatto sì che le nostre occasioni di rencontre si diluissero un pochettino, ma rimaniamo in contatto epistolare, in contatto telefonico col sindaco Prea, che è un sindaco di lungo corso, di lunga durata, insomma, e che è stato di nuovo riconfermato alla guida della città, e quindi insieme a questo collega cerchiamo di sviluppare nuovi progetti. Oprea ci ha comunicato che hanno intenzione di aprire prossimamente un museo della città di Sinaia che conterrà una parte nel rapporto di gemellaggio della città di Sinaia con i partner. Noi siamo partner storico e quindi adesso dovremmo valutare quale opera di un certo rilievo e pregio poter offrire a testimonianza di questo gemellaggio alla città di Sinaia. Au cours du temps, on a eu une très bonne collaboration avec la ville d'Aosta à partir de l'enseignement, la santé, la culture. Au début des années 90, il y a eu une collaboration, un échange d'expériences entre l'hôpital de Sinaia et l'hôpital de la ville d'Aosta, où les médecins de Sinaia sont allés à l'hôpital d'Aosta pour apprendre des choses qui ont été très utiles dans leur activité courante à Sinaia. Depuis que la Roumanie est membre de l'Union européenne, depuis 2007, bien sûr que les relations entre Sinaia et la ville d'Aosta se trouvent dans cet esprit européen. Nous travaillons maintenant sur une idée de projet, un projet que je veux proposer au maire de la ville d'Aosta. Un projet qui sera financé par les fonds européens. Aussi, la ville de Sinaia a gagné le plus important projet qu'elle a à présent. C'est un projet financé par les fonds européens, un projet de renouvellement urbain. Et il y a deux ans, quand le maire adjoint de la ville d'Aosta et les conseillers locaux, les conseillers municipaux sont venus à Sinaia, je leur ai présenté ce projet et ils m'ont
donné beaucoup de conseils en ce qui concerne le développement et la mise en pratique de ce projet. Un autre projet auquel on travaille maintenant, c'est la création d'un musée de la ville de Sinaïa, un musée qui va présenter l'histoire de notre ville. Et dans ce musée, il y aura une partie qui va présenter tous les jumelages de Sinaïa, car Sinaïa a déjà 10 villes avec lesquelles elle est jumelée. Dans ce sens, on a demandé à la ville d'Aosta de nous envoyer des éléments qui leur sont spécifiques pour pouvoir les exposer dans ce musée et présenter la ville d'Aosta à tous les gens qui vont visiter le musée. L'intérêt commun Sinaïa-Aosta est solo un aspect, sia pure il più importante e il più antico a livello di gemellaggio di una serie di relazioni internazionali che la città di Aosta ha tenuto e sviluppato nel corso del tempo. In nome dell'Association Internationale des Maires et des Mairies Francophones, noi abbiamo un rapporto di gemellaggio con la città di Kaolack nel Senegal. In nome del rapporto della francofonia abbiamo una charte dell'amitié con la città di Albertville e abbiamo un gemellaggio più antico con la città di Narbonne in Francia e il più recente è quello con l'antica capitale cinese di Kaifeng. Perché tutti questi rapporti internazionali? Perché noi speriamo nel prossimo futuro di diventare, oltre a pieno titolo, il capoluogo, la capitale del turismo della Valle d'Aosta, anche la capitale della formazione universitaria e post-universitaria della Valle d'Aosta. Aosta è europacentrica, è inserita nel cuore delle Alpi e noi speriamo che questo possa far sì che i giovani di Sinaïa e più in generale i giovani europei, insieme ai molti giovani delle città con cui intratteniamo rapporti, potranno effettuare interscambi culturali all'interno del nuovo campus universitario una volta che questo campus verrà realizzato. On se trouve au casino de Sinaïa, qui a été construit entre 1911 et 1912 par la Société des Hôpitaux Civils. Ce qui est très important de savoir, c'est que ce bâtiment historique a été construit seulement en 7 mois. Il a été inauguré en 1912 avec la présence de la famille royale de Roumanie, les Hohenzollern. Et aussi la soirée a été conclue, a été finalisée par un concert soutenu par George Enescu. Le casino de Sinaïa est construit selon les plans du grand architecte roumain Petre Antonescu, dans un style néoclassique. Il a fonctionné comme casino même jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre les deux guerres, il faut savoir que ce bâtiment accueillait les blessés des deux guerres. Il a été transformé en hôpital entre les deux guerres parce que c'était un bâtiment qui était très sécurisé. On se trouve maintenant dans la salle de théâtre qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes. On accueille ici des festivals de théâtre, on accueille des congrès médicaux, des festivals de films et bien sûr on accueille beaucoup d'événements qui sont organisés par la mairie de la ville de Sinaïa. On se trouve dans le cabinet du baron de Marsay. Les plus importants parmi les actionnaires du casino ont été les barons de Marsay, les mêmes actionnaires que ceux du casino de Monte Carlo et le casino de Constanța, en Roumanie aussi. Celui-ci est le cabinet où les plus riches hommes qui venaient au casino de Sinaïa jouaient les cartes. Le casino a été construit en même temps que l'hôtel Palace, qui est tout près, dans le parc de la ville. Et les deux, le casino et l'hôtel Palace, sont liés par un passage souterrain par où passaient les hommes qui venaient avec les plus grandes sommes d'argent ici au casino pour jouer, mais aussi les dames qui ne voulaient pas sortir à l'air, sortir s'il pleuvait, pour venir ici très belles, très arrangées et tout ça.
On est maintenant dans le cabinet vert qui a eu la même destination que le cabinet du baron de Marsay, c'est-à-dire que les plus riches joueurs venaient ici pour jouer les plus grandes sommes d'argent. En 1978, ce cabinet a été pris par M. Ceausescu qui accueillait ici les présidents des États. À présent, le casino de Sinaïa appartient à la communauté locale de Sinaïa. Il a été transformé en centre international de conférences et à présent, aujourd'hui, on accueille beaucoup de conférences, de congrès médicaux, des événements privés comme des baptêmes ou des mariages. Pendant le week-end, ici, dans le casino, au temps du casino, il y avait 600, 700 personnes qui venaient jouer. Ils venaient de Bucarest avec des trains spéciaux, les trains du plaisir, ils s'appelaient comme ça. Mais à présent, tout ça n'existe plus. On accueille, comme je disais, des conférences, on accueille des mariages. En 2009, on s'est ouvert vers l'art et on a aménagé tous ces espaces-là pour des expositions de photographie, de peinture ou de sculpture. Tous les peintres qui viennent exposés ici au casino de Sinaïa. Quand ils partent, ils vont donner à la ville de Sinaïa quelques œuvres. On a aussi une exposition permanente où le peintre Augustin Costinescu, qui est un peintre très connu en Roumanie, a donné à la ville de Sinaïa beaucoup de ses ouvrages. Il y a deux ans, quand le maire adjoint de la ville d'Aosta est venu à Sinaïa, on a discuté aussi d'un échange d'expériences sur les clubs sportifs. Je sais que l'Aosta est très développée dans ce domaine des sports d'hiver et surtout du ski. Et nous avons un club sportif à Sinaïa. On voudrait bien que nos élèves se spécialisent aussi à Aosta. Et se pregătească și în zona Aosta. En final, j'attends avec plaisir les habitants de la ville d'Aosta de visiter notre ville parce que je suis sûr qu'ils vont l'aimer beaucoup.